Allô? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. La chercher, je crois qu'elle est dans son bain et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important, mais il attend. Dis, tu lui as fait quelque chose à ma maman? Elle me fait toujours des grands signes et elle me dit toujours tout bas, mais pour que je sois là. Raconte-moi, comment est ta maison? Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres sont celles de leur papa, pas moi. Oh, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et c'est ton âge, mon enfant? Ah non, moi j'ai 5 ans. Mais dis, tu la connaissais, ma maman? Jamais te parler de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Oui, le téléphone pleure, ne raccroche. Vacances à l'hôtel Beau Rivage, aimes-tu la plage? Oh oui, j'adore me baigner. Maintenant, je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? T'y étais, toi, sympathie? Oh, dis-lui toute ma peine, combien toutes les deux, moi je vous aime. Tu nous aimes, mais je t'ai jamais vu, moi. Oh, le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Et le téléphone pleure, non, ne raccroche pas. Je suis si près de toi, avec la voix, dis écoute-moi. Oui, le téléphone pleure pour la dernière fois, car je serai demain au fond d'un train. Oh, dis, mais retiens-la. Elle est partie. Si elle est partie, alors tant pis. Au revoir, monsieur. Au revoir, petite.